Hey tout le monde, c'est AstreFizz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée, toujours en compagnie de Quack. Salut tout le monde. Et donc on se retrouve cette fois sur Gears of War 3 en mode Horde, sans caméra parce qu'il n'y a plus de batterie et parce que c'est trop galère à mettre à monter. On précise aussi que le jeu a frisé. Voilà, donc le jeu a frisé, donc c'est la deuxième prise et donc c'est pour ça que je parle vite comme pas possible. On était à la vague 6, on avait commencé à la vague 6 en fait. Et là, on a reparti avec la vague 1 parce que du coup, sinon, on n'avait plus de sous, donc ce serait un peu galère. Ouais. Donc ça va pas forcément être très. Ah d'ailleurs, faut qu'on prenne une base. Ah mais du coup, je connais pas la carte. Bah viens, suis-moi. Elle est belle en plus cette map, j'aime bien. Ah si, je la connais. Ah. Hop, voilà, on va prendre ici. Donc. Oui, bah t'es où ? On va pas, réénoncer le principe du mode Horde. Je pense que tout le monde connaît. Le fait est que, voilà. Alors sachant que. Gears, c'est comme vous le savez sûrement, une exclue Microsoft, donc forcément, Quack n'a pas pu forcément y jouer beaucoup. Non. On en a joué quelques fois ensemble, mais c'est vrai que, voilà. Disons que moi, je connais beaucoup la série, et cette fois, ça fait un peu comme pour Splinter Cell, c'est un peu... Quack un peu moins. Contrairement à Crash, où c'était un peu le contraire. Ouais, c'est ça. Bah c'est vrai, je connaissais pas super. Hein. C'était pas une excuse pour le fait que j'ai perdu et tout, tu vois. Non mais... Même si j'ai perdu et que c'est pas normal, tu vois, parce que... Enfin bref. On ne reviendra pas. On va pas revenir là-dessus, ouais. Bon, donc là, honnêtement, ça va être plutôt simple. J'avoue que t'aimes bien tronçonner les gens, toi. Ah bah là, tronçonner dans ce jeu, c'est mon kiff. Coucou toi. Surtout au début, parce qu'au début, c'est assez simple. Ah, y'en a un là. Ah ouais, ok. Sachant que on est en normal, hein, rien de bien compliqué. Enfin, au début, ça devient tout le temps compliqué vers la vague 10, forcément. Mais bon. Ouais. Espérons qu'on ira jusqu'à là-bas. Ouais. La vague 10, non, ça c'est bon, ça on ira sûr. Ah bon ? Oui, certain. Après, je dis ça puis on n'y arrive pas. Après la vague, tu sais, le max c'est la vague 50. Ouais. Et je peux te dire pour arriver jusque là à 2, c'est impossible. Bah, tu te rappelles, ça a rien à voir, mais quand on faisait le mode. Sur Modern 3. Modern 3 ? Ouais. Ah oui, le truc. Ah, je sais plus comment ça s'appelait. Ah, je sais plus non plus. Ah, on aimait bien. Oui, c'était bien. Comment ça s'appelle ? Je sais plus. Bah, c'est un mode Horde, quoi, pareil. À peu près, ouais. C'est à peu près la même chose, ouais. C'est dans le même principe, on va dire. Ouais. Et donc, ouais, parce que du coup, les Call of Duty, moi j'ai arrêté depuis Black Ops, mais comme Quack est toujours dessus, bah, de temps en temps, ça me permet de retourner et puis de voir un petit peu les nouveaux opus. Sachant qu'il est possible, alors je m'avance peut-être en disant ça, mais on en parlait tout à l'heure, que Quack prenne la One, ce serait bien. Hein, Quack? Non, mais je veux la prendre. Après, ça sera en fonction de. Non, mais voilà, l'argent. Quand tu la prendras, ça, voilà, mais que j'aimerais. Voilà, ce serait sympa. Et donc, si jamais Quack a la One, on pourrait faire des vidéos. Il y aura moyen de faire des vidéos plus facilement. Hop. Ouais, voilà. Non, mais... Ça me fait bizarre de t'appeler Quack, hein. Ouais, non, franchement, mais... c'est space. Mais bon, non, mais c'est bien. C'est court, c'est concis. Voilà. C'est cool. Ah, mais tu sais, moi, quand on m'appelle Iron Man sur, sur le live, voilà quoi. Ah, mais tu t'as pas voulu changer ton. Ouais, mon pseudo, pour ceux qui savent pas, hein, c'est vrai que j'ai jamais vraiment fait exil. Mon pseudo sur le live, c'est Iron Man en force. Donc, pseudo totalement pourri, hein, j'en suis ouais, conscient. Mais c'est mon pseudo collector, je n'y touche pas. J'ai voulu le changer à un moment donné pour remettre AstreFizz pour être un petit peu en lien avec ma chaîne. Sauf que ça coûte cher déjà, et en plus je sais pas, je m'y suis attaché à ce pseudo. Je suis même allé à acheter un costume d'Iron Man sur le truc d'Avatar. Ah ouais. Alors c'est quand même, bon c'était pas très cher, c'est pour ça qu'il y avait des promos. Ouais, non, mais c'est pour vous dire à quel point, voilà quoi. Mais je sais pas, je m'y suis attaché à ce nom tout Ah mais moi aussi j'en apprends des choses. Eh hein. Attends. Par contre. Ah mais un mec, regarde-le lui. Ah mais oui, je l'ai cherché. Fais quoi là? Hop. Oh, il y a un fil à lunettes. Ah mais ça, tu faut le payer, je crois. Non, il est par terre. Alors, ah bon, c'est cool. Je sais pas. Bah s'il est par terre, il est pas en surbrillance jaune, c'est bon. Bah regarde. Ah ouais, c'est bon, tu peux le prendre. Fil à lunettes. Ça j'utilisais beaucoup dans le 2, la horde du 2 que je préfère quand même à la horde du 3, mais bon. Enfin, quoique. Il y a quand même beaucoup d'améliorations dans l'ordre du 3, mais je sais pas, je m'amusais plus, j'ai l'impression. Je sais pas. C'est peut-être qu'une impression. Le fait est que j'utilisais beaucoup le sniper là-dedans. Et j'étais bon avec, sauf que maintenant, avec le 3, je suis une vraie drouille. Je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est pas le même feeling.
Enfin bref. Là, ce que j'utilise actuellement dans les mains, c'est le fondoir. C'est quelque chose de dévastateur, mais qui est très lent. Et je vous défie d'utiliser ça dans une vague boss. C'est un petit problème, c'est je trouve plus mon arme. Tu trouves plus ton arme? Par contre, parle peut-être un peu plus fort. Ouais, mais... non, mais oui, j'ai un petit problème, c'est que. Ouais, enfin, non, mais ça. Voilà. T'as pas besoin de leur dire, je pense que. On a compris. Non, mais je sais pas où elle est, attends, fais voir. Oui. Lanzor. Ah, mais non, mais tu peux plus, parce que maintenant la vague elle est réapparue, donc. Ah, bah voilà. C'est parce que j'ai pas mon arme. Donc t'as plus de Lanzor. C'est bon, con. Bah, fusil à pompe, hein. Voilà. Bon, de toute façon, le fusil à pompe, je crois qu'il y a que ça devant rien. Mais par contre, là, je vais lâcher mon truc, moi. Je vais aussi y aller aux pompes. Wow, elle est petite. Voilà. Je suis en train de. De me prendre des tirs dans la tête. Bon, allez, on va aller s'occuper du mec qui est là. D'accord, il y a personne, il est passé où? Ah, il est là. Ah, mais il court cet enfoiré. Hein. J'aime beaucoup l'IA de Gears of War. C'est... Il bouge beaucoup. Ouais, ouais. C'est bien fait. Alors, par contre, le ticker, ça c'est vraiment chiant. Bon. Il y en a d'autre côté, donc notre base, je sais même plus où elle est là en fait. Ah, non, mais là, donc, tu as mis un endroit. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Tiens! Bouffe! Ah, ça c'est bien fait quand même. Dans Gears of War 2, je me rappelle, les corps partaient pas. Enfin, se démembraient pas autant. C'est-à-dire quand on tronçonnait quelqu'un, c'était plus. C'était pas joli, mais disons qu'à la fin, ça faisait pas un truc, un gars tronçonné quoi. Alors que là, ça le fait vraiment, c'est. C'est plutôt hardcore. Alors là par contre... Ah mais tiens, il y en a un qui est à terre. Hein. Bon, c'est vrai que je devrais plutôt faire des éliminations, c'est plus drôle. Ouais. Je fais un Y sur lui. Ah mais c'est bon. Oh. Ouais. Bah, laisse moi faire ça. Ça tu peux pas le faire toi parce qu'il faut... S'il faut les débloquer en fait, ces trucs là. Oh putain. Voilà. C'est vraiment pratique hein, cette tronçonneuse. Hein. Alors là, on a la vague 3, donc encore une fois, ça va être assez assez long à se mettre en place en tout cas. Mais bon, on est que 2, donc en même temps, ça va, c'est pas forcément très pratique. Je vous assure qu'on est à 5, ça va très vite. Ah bah, tu m'étonnes. Mais à 2, ouais, c'est un peu plus lent quoi. Et justement, la vague 10, à 2, elle est souvent décisive parce que ben, on a la plupart du temps, on n'a pas l'occasion d'être... Petite question, on achète des armes où ou... De quoi? T'achètes des armes où? Non, non, pour récupérer mon arme. Ah, bah... Il y en a pas, en fait. Sauf si tu la trouves sur un allié. D'accord. Ou si tu crèves. En gros, je suis dans la merde. Sous un ennemi, plutôt. Bah, en gros, ouais, là, faut pas la lâcher, quoi. Si donc, c'est trop tard. Non, mais tu devrais en trouver une, je sais pas quand... Si on a une vague bonus ou je sais plus quoi. Bon, vague 3, hein. Oh, deux ennemis, c'est quoi ça? Là, mais il cherche une arme par terre. Le mec, il cherche une arme pendant toute la vague, c'est... Construction. Bon, je vais attendre pour avoir le silverback après. Sinon... Ah, t'as un Lanzor, là, vite. Où ça? Approche, derrière moi. Avant qu'il disparaisse. Voilà, ça. Ah bah voilà, merci. Et moi je pense que je vais prendre le... Ouf, ouais non, je vais pas prendre le rétro. J'aime bien mon Lanzor en or. Notre base elle sera où? Bah notre base elle est là. C'est là? Ouais. Au pire garde tes sous, comme ça tu me donneras tout après. Quoi? Et que je puisse acheter le Silver Mac. C'est quoi? C'est tout ça l'espèce de méca là, de robot. Un peu je sais pas, de méca tout simplement. Enfin je sais pas si tu vois ce que c'est. Je te montrerai si jamais on y arrive. Parce qu'il prend cher le boomer là. Attends, bah, je vais échanger mon pompe contre lance-grenade. Oh merde, il sort d'où lui? Ah oui, ça va, ça. Voilà. Oh là, il y a des tickers partout là, c'est un peu chaud là. Ouais. Il y avait un ticker qui m'attaquait par derrière, mais je sais pas où il est passé. Oh là là, double tronçonneuse. Ça c'est. Qu'est-ce que c'est beau? C'est bon. Alors, le fendoir, il est où? C'est pas bien. Je veux mon fendoir! Il a disparu, ah, il est là. Voilà, là on s'entend. Lui, on peut le contrôler? Non. Y a que les petits et les cantus. Les mecs qui soignent, que tu peux consommer. Les autres, après, c'est pas possible. Allez. Alors,
le boomer par contre c'est pas une bonne idée de l'attaquer corps à corps, c'est pas grave. Bon, faut voir, ce qui est chiant c'est qu'il attaque toujours même si je veux plus attaquer, tu vois, il est... Dès que j'ai appuyé plein de fois, il attaque. Voilà, tu vois, j'appuie plus, mais ça attaque quand même. Bon, j'aime bien la manière dont il court avec le fondoir. C'est ouais, vraiment, vraiment sympa. Par contre, il en reste plus que 3. Je sais pas où ils sont. Je ne les vois pas. Bah, toi, t'en as un, c'est bien. Ah, mais du coup, j'entends tes bruits, alors je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des mecs autour de moi, mais en fait, non. Ah, il y en a un. Ok, plus qu'un. Il est où? Là. Voilà. Ah bah voilà. Tu m'as... Ah bah non, en égalité. Ouais. Bon là, pour l'instant, il n'y a pas énormément d'ennemis, donc voilà. C'est un petit peu long. C'est, voilà, non mais c'est ça, hein, mais bon. Ouais, je voulais un peu de sous quand même pour pouvoir tenir si jamais on tire le coup. Cherchons des munitions. Donc bon, c'est quand même plus pratique. Hop, est-ce que on achète des trucs ou pas? Parce que le silverback il coûte de 12 500. Et là on a on a presque 12 000. Ouais, bah écoute, dès que la vague d'après, tu me donnes tous tes sous, je l'achète. Je te dirai, c'est simple. D'accord. Je crois qu'il faut viser. Attends, c'est je vais quoi le gros truc vert vers toi pour voir comment on fait. Ouais, c'est ça. C'était quoi le gros truc vert? Quel truc vert? Qu'il y avait là, c'est bizarre. Ouais, je sais pas du tout de quoi tu parles. Alors attends, là il y a du monde là. Là, j'active le fondoir à fond là. Oh là. Oh là là. Oh, ce bordel. Voilà, et moi je peux rien faire. Attends, j'aimerais bien prendre le fondoir. Oh, de quoi? Allez. Voilà. Hop, alors je sais pas si on parle assez fort, bon au pire je vais montrer le son au montage, hein, parce que à mon avis ça va être un peu compliqué. C'est bien le fond noir. C'est quoi? Il est bien. Ouais, c'est bien, mais c'est vraiment lent quoi. Là par exemple, ouais, quand il y a du monde comme ça, quand ils sont pas très intelligents, c'est bien. Après quand c'est quand il y en a beaucoup trop et qu'ils font des roulades et tout. Et après ils ont plus de gens. Bon, en même temps les locus, voilà, boomer, ah il va me tirer dessus. Alors le boomer, ce qui est chiant, c'est quand vous approchez au corps à corps, il vous tape et ça vous fait beaucoup de dégâts. Quoique, ouais, au corps à corps, faut que je vous montre une action qu'on fait... Merde, bah j'ai plus de balles. Dommage. Oula, je vais mourir. Ah bah je suis mort. Je me suis pris une grenade à encre là. Je suis juste à tes pieds. Merci. Hop. Alors j'aimerais bien trouver un autre fendoir. Je vais prendre le fusil à lunettes aussi. Montrer mes talents de sniper qui n'existent pas, tout simplement. Ouais, c'est ce qui me semblait, hein. Attends, sauf dans... tu sais, dans BF3, j'étais pas mal au sniper, hein. Oh là là. Bon, en même temps, là, c'est au corps à corps. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a quelques vidéos qui peuvent en attester, mais ça date de très longtemps. Ah, il faut voir encore par terre. Ouais, je suis mort. Ouais, j'arrive. T'es où? Putain, mais t'es en bas, oh. Bah oui. Putain, mais qu'est-ce que tu fais en bas quoi? Qu'est-ce que tu fais en bas? Non, bah, il faut que je fasse demi-tour. Attends, faut que j'aille. Attends. J'arrive. Ouais, il y a quelqu'un là. J'arrive. Oh merde! Ah! Ah non! C'est horrible! J'arrive pas, hein. Je peux pas te. Voilà. Ok, on se casse. Ah. Ah, désolé, je suis pas parlé beaucoup, j'étais concentré. Tiens toi là. Ah, c'est le dernier en plus. Voilà. Je crois qu'il a mal. Ouais. Alors là je suis deuxième alors que j'ai. On a 12 000 de trucs. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc là ce que tu fais, tu me vises. Tu t'approches de moi, tu me vises. Et tu fais B plein de fois. Cherchons des munitions. Non, viser c'est LT. Voilà. Plein de fois je sais ce que tu peux rien. Ah bon. Non mais il me faut. Ah c'est bon. Ah ouais c'est bon. Le gars voulait m'arnaquer. Non mais moi je dis ça, tu vois, je dis ça, je dis rien. Du coup, alors vite fait, faut que j'aille. Je l'achète tout de suite ou pas? Non, pas besoin. Moi j'achète tes trucs par terre. Ouais, vas-y si tu veux, maintenant qu'on a donné les trucs. Comme ça après la prochaine vague,
je prends le silverback et ce sera un peu plus rapide déjà. Parce que le souci c'est que si je le prends tout de suite, après faudra réparer et tout, c'est des frais supplémentaires. Le petit cœur là, oui, fait mal. Hop, un boomer, attention. Ah mais merde, j'ai un sniper, qu'est-ce que je fais avec un sniper moi? Ah tu veux que t'as un sniper, excuse-moi ça. Hmm? Du coup t'as pris le sniper. Ouais, au lieu du pompe, bah tiens y'a un pompe là. Hop. Et une grenade frag aussi, une grenade frag, ça va être pratique. Et boum. Ah ça l'a même pas tué. Je crois pas. Ah merde, je suis mort. J'ai balancé dans le vent moi. Hop, y'en a un là. Alors pour cibler tes ennemis, ça sert pas à grand chose, mais c'est joystick droit quand tu les vises. C'est juste si jamais il y a un gros mec qui te fait peur, tu vois, tu... comme ça, ça marche pas. Ah non, c'est joystick gauche, je dis des conneries. Oh non. Ah. Oh, oh mon dieu. Ah non non, c'est pas... Je t'ai dit qu'on arrivait pas à la manche 10. Ah, c'est pas grave. Alors comment on se fixe, on se fixe quoi? On se fixe combien de morts? Parce qu'à un moment où on va devoir, tu vois. On se fixe 3 morts. Vas-y. Je pense que c'est bien. Ah. Donc là, ça en fait une. Ah, du coup, je mets les trucs. Ouais. Donc, bon, allez, je paye le silverback, hein. On va pas tergiverser. Hop. On a fini. Et voilà. Et donc, tu peux te cacher derrière moi quand je le pose par terre. Ce qui serait utile, ça serait le poser où? Bah, ça dépend où ils arrivent en fait. S'ils arrivent à gauche, je me pose là. Hmm. Ton arrière. Ouais, ouais. J'espère qu'ils arrivent là parce que sinon je suis un peu pas où il faut. Ah, ils arrivent en face. Fais chier. Je vais me mettre au milieu. Et voilà, et là ça va être la pluie de balles là. Hop. Ah, c'est vraiment très pratique un silverback. C'est peut-être même un peu. Trop pratique, mais c'est quand même très fragile. Ah, il faut le payer, je pense. Ouais, puis il faut le payer. Ouais. Et après, il faut le réparer en plus. Ça coûte de l'argent? Ouais, beaucoup même. C'est-à-dire? Bah, style. C'est avoir à peu près 1000 à chaque fois pour le réparer. Enfin, ouais, ça dépend. S'il n'est pas abîmé, tu vois. S'il est très abîmé, c'est le prix du machin, quoi. Là, ça, en plus, ça descend assez vite la vie. En solo, il est beaucoup plus résistant. Normal. Et il tire des roquettes aussi. Là, il tire pas de roquettes. Mais bon, ça reste déjà pas mal. Quoi. Ah, bah oui. Tu peux faire des coups par terre comme ça, c'est plutôt sympa. Ils sont où? Ils sont en face? Ils sont vers moi. Bon, attends, j'y vais. On va tenter. Et sachant que oui, il y a une surchauffe aussi au niveau de. Quand on court trop longtemps, il y a une surchauffe le machin. Donc il faut faire gaffe. Ah, il y a du monde là. Et bah voilà. Y'a plus personne. Ouais, tu veux que je t'aide là? Non mais en fait c'est de la frappe du tabou. Y'a beaucoup de monde ici. Ouais, ça me tire dessus mais je sais pas d'où. Derrière. Oh. C'est vraiment dévastateur ce truc là. Hop, bon du coup on est mort une fois mais je sais pas trop, j'ai même pas compris en fait comment ça s'est passé. Ouais. Oh putain, petit cœur. Oh ça fait trop mal ça. Ok, plus que deux gars. Il y en a un là. Et un autre là. Ah putain, j'ai plus de vie. Hein. Ok. Vague 6, plus que 2 vies. Je pense qu'à mon avis, on va en gaspiller une avant la vague 10. Ouais, mais on a un peu fait les cons quand même. Ouais, c'est vrai. Faut qu'on se reprenne. Hop. Du coup, bah faut réparer tout ça. Allez, Quentin. Quoi, excuse-moi. Ouais. Ça a dû te parler autrement que comme une tafiole de 3 ans là. Donc, je t'entends, ça fait. sérieux quoi. Non, ouais. Mais en plus, je suis sûr, ils t'entendent pas du. Non. Attends, faut réparer. Je sais plus parler. Faut réparer tout ça. Réparer tout ça. Ouais, vas-y, répare. Donc, moi, j'ai réparé mon truc, tu vois. Y'a moyen que tu me vises et tu fasses B, s'il te plaît. Non, j'ai déjà plus de sous, attends. Bah, tu crois que j'en ai. Bref. Ouais. Ouais, ça arrive pas là. Attends, je vais me mettre devant toi et je vais te couvrir comme ça. Ouais, tu peux te cacher derrière moi là. Wouah. Cette puissance de feu.
Sachant qu'on me tire dessus, mais je sais pas d'où. Hop, ah bah il est là. Bah tiens. Ah, voilà. C'est quoi? J'arrive. Ils sont sur moi là? Là il y a un. Attends, j'arrive. Ah oui, d'accord, ah oui, d'accord. Oh putain, il t'a tué. Eh bah, paye ton. Tu peux pas payer en plus là. Oh putain, mon dieu. Oh bah, on moi ça va, hein, je te regarde jouer. Hein. Aïe aïe aïe, on est dans la merde. Enfin, je suis dans la merde en l'occurrence. Ouais, non, mais on. Allez, je vais me poser là. Ça va pas être très super à garder, mais bon, là. Pas trop me permettre de. Même pas la moitié de la vague. Mais j'avoue. Oh, oh, mais je suis un abruti. Tu pouvais pas crever plus tard, toi. Ouais. Oh putain. Ah, digger, hein, c'est pas bon ça. Oh, en plus, avec des gros ports. Tu remarques que c'est plus facile à viser. Oh, oh mon dieu, ce que j'ai pris. Là, je l'ai mauvaise. Là. Oh, remarque, je m'en sors plutôt pas mal. Il en reste. À gauche. Peu près 6, 5, voilà. Oh putain! Sors! Ah, ah non! C'est horrible ça avec le comment il s'appelle? Ah, elle m'en a plus qu'une fois. Avec le comment ça s'appelle? Le silverback, quand il pète, en fait, il explose. Et là, au lieu de faire une roulade en arrière, enfin, j'ai fait une roulade en arrière, mais il a pété devant moi. Bref, on va essayer de bien jouer. Ça dit de réparer, dépense tous tes sous dans mon silverback. Voilà, ce que tu viens pas du tout faire, mais bon, vas-y, dépense les 200 qui restent. Hein. On te fait Y. Voilà, qu'ils soient un peu plus réparés, quoi. Parce que mine de rien, on va en avoir besoin. Même si là, à mon avis, putain, Vaxette, on est vraiment ridicule. Hein. Ouais. Ah, c'est là qu'on fait le gros hold-up. Le gros hold-up ? Ouais, on va à la vague 30. Non. Ouais, bah oui. Tous les espoirs sont permis. Ouais. Tu sais, j'ai une idée pour après. Pour juste une petite fin de vidéo. Ouais. Tu verras. Je laisse la surprise au. Mais maman. Au oh, ça vient de la gauche. Ok. Ok. On s'en sort plutôt bien. Aïe aïe aïe. Oh putain, je suis à terre. Il faut que je dise ça pour que je sois à terre, quoi. Merci. Est-ce qu'il est cassé mon truc là? Putain, il va pas bien. Hein. Fais gaffe, hein. Oh putain. Oh, oh le bâtard. Il m'a mis cher là. Le silverback, il va vraiment pas bien. Ah bon? Ah, il est en dessous de la moitié de sa vie. Ah bah non, mais moi ça va. Bon, ça va, là on est en train de. Oh bon, qui m'a shooté là? C'est qui m'a shooté? J'ai pris une roquette, je sais même pas d'où. Ouais, je suis aveugle. Je suis sûr, il y a un peu dans le coin. Oh merde, j'arrive. Ah non, faut que je me cache. Attends, j'arrive. Ok. Allez. Il faudrait. Mais allez, voilà. Putain, c'était chaud. Merci, ouais. Ok, par contre là. Au pire, va attendre de. Ah, mais il est là! Il est à côté, ouais. Sauf que là, mon silverback il est mort quasiment. Ouais. Bon, Vaxette repoussé, ça va. On n'est pas trop ridicule. Ah, si, quand même un peu. Un petit peu, hein. On a plus qu'une vie. Bon, on va y arriver, je pense. Ah oui, ça dit de réparer avec moi? Non. Tu pourrais en plus, hein. T'as assez de sous. Oui, mais non. Vas-y, juste un peu. T'es où? Vers là, voilà, à gauche. Pour combien? C'est 1000. On fait comment? Y. Voilà. T'avais combien sur toi? J'avais 2000. Je savais pas honnêtement combien c'était, alors j'étais 2000, tu vois. Je t'ai dit, c'est cher pour le réparer ce machin. Du coup, je me planque dans un coin, c'est ça? Non, mais c'est mieux d'avoir au max. Tu m'entends toujours? Non, pourquoi tu. Putain, mais. Ah, tu crois putain. Pas quoi? Bah non, t'entends plus. Enfin, vas-y, t'as fait un monologue! C'est ça en fait. Mais parce que voilà, quand on avait son casque, tu vois, en général,
ça marche ouais, moins non, bien. Mais j'en étais pas trop sûr du coup. Ouais. C'est moi, il y a du monde. Oh, il est passé où, mec? C'est pas normal tout ça, il y avait un gars beaucoup. Ouais, ils sont marrants. Enfin, ils sont pas très marrants. Mais... Quand j'en entends un, ça me stresse là, parce que lui il me fait un coup, je suis dans la merde. Ah, ils arrivent. Il y en a un moleur là. Il va pas faire grand chose, voilà. Alors maintenant, Ouais, c'est parce que j'ai pris une heure. Et quoi? Je suis mort. Ah merde. J'arrive. Ok. Alors excusez-moi, je suis concentré. Faut que tu descendes en plus. Ah! Ça c'est chiant ça. Je suis là. Voilà, on est bon. Attends, par contre, il y a un peu de monde qui arrive. Hop, on va faire un petit déblayage dans le tas là. Oh là là, le moleur là. Voilà. Il a failli mettre un coup. C'est moi, il y a une grenade qui vient d'apparaître. Wow, il prend cher mon machin. Là-bas, ça veut tirer ou quoi? Ouais, c'est bon. En face, il y a du monde. Je vais y aller. Bon, ça va, ils sont plus beaucoup. D'où tu tires des grenades fumigènes? C'est moi. Plus que deux. Encore deux. Oula, fais gaffe à lui parce que ça, c'est vraiment bâtard ça. Ah bah voilà. Ah bah oui, je vois ça. Ah bah voilà. Là, je voulais tester un peu. Oh, il me fait quoi là? Il me fonce dessus. Mais c'est un peu son efficacité, mais oui. Il te one shot. Voilà. Ah, mais c'est vraiment des. Bah, des bâtards. Ils ça arrivent avec ton, leur marteau. Au lieu de ton arme, on fait une force. Non, mais c'est bon, j'ai assez de sous pour le réparer. Quoi? Bah, fortifie toi. Ouais. Non, mais sans le silverback, on est mort en fait. Je veux fortifier aussi si tu veux. Attends, il me reste 900. Mais comment on peut améliorer les trucs? Parce que là, ça a été amélioré ça. Bah, c'est toi qui l'as fait. Comment? Bah, t'appuies sur Y. Mais toi, là, genre, je vais l'améliorer, mais. Ah non, ouais, mais y'a plus de sous. Pour ça, il te faut assez de sous pour. Il te faut déjà un niveau. Il faut que t'aies un niveau suffisant pour pouvoir réparer. Améliorer. Ouais. Et il faut qu'il soit réparé au max et que t'aies des sous. Donc en gros, il faut pas mal de facteurs. Ah bah, je vois ça, hein. Hop. Bon, alors la vague 9, plus qu'une vague et après, c'est la vague boss. On s'en sort bien. Ouais. Aïe. Ah merde, ah ça c'est trop chiant ça. Tu peux pas le tuer comme ça, il faut que tu tues dans la queue. La queue elle est verte. Ah je me rappelle bien, je me rappelais bien qu'elle va tout comme ça. Ouais, ça c'est vraiment bâtard. Ça, quand t'es à plusieurs ça va, mais quand t'es tout seul c'est même pas la peine. Attends, j'arrive vers toi. Je vais essayer de venir par derrière pour la voir. Ah t'es là. Tiens, attire là. Attends, je vais mourir. Et puis moi aussi en fait. Enfin, mon truc il va pas très bien. Je l'ai vu ou pas? Oh non! Ah! Il a détruit. Ah, puis ce truc là est toujours vivant. Attends, je vais l'avoir. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, faut faire gaffe parce qu'il y a plus de silverback. Attends, il y en a du monde. Ah, je suis mort. Ah, oh, y'a un grenadier là, c'est chiant. Ok. J'arrive. Ah, oh, putain, le moleur. Ah, oh, le moleur. Fais gaffe, y'a un grinder aussi. Ça te balance des. J'ai pas le temps de courir. Ah, oh. J'arrive. Ok, on se casse. Roulade. Ah là 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 là. Ah, ah. Putain. Ok. Ah putain! Ah bah il m'a eu, non il m'a pas eu, ok. Putain, faut le tuer lui là, voilà. Oh là là, c'est le bordel. Moi j'en ai un. Putain, mais il veut pas mourir! Ok. Toi déjà t'es mort. Non, il veut pas, bon, c'est pas grave, je vais prendre le bolt-top, ça peut être pratique. J'ai besoin de munitions. Putain, il veut pas, hein, il veut pas, hein! Oh là là, mon dieu! Ah mon dieu, le combat de noob là. Je suis avec un locust mais en mode
Ok, c'est bon. Ah, le molleur, fais gaffe. J'arrive, ouais, c'est bon, on est bon. Ça va faire. Sauf que j'ai plus de balles de. Ah, oh, y'a un grinder aussi, merde. Oh non, putain, non, il m'a non, eu. Il veut pas se casser. Il m'a eu. Ah, oh, il m'a eu. C'est enfoiré. T'es où? Je suis en dessous du grinder là. Je suis là-bas, voilà. Tu crois que je peux venir? Oh putain. Ouais, ça va être chaud. Hein. Surtout que tu vas pas où. Tu vas pas où il faut alors. Ça va être compliqué là. Ah, fais gaffe au grinder. Ah. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. C'est trop violent ça. Ah, t'es foutu là. Ah là 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 là, cette dèche quoi. Il restait deux. Deux là, gars. Ah, tu peux réparer, tu peux réparer. Vas-y, vas-y. Y. Ah, mon dieu, c'était magnifique. Ah là là là, on n'est pas mort. Ah, je peux réparer aussi. Ah, j'aurais pas dû parce que ça coûte cher. Mais. Ok, bah c'est nickel. Oh non. Je me fais ravoir. Ah là, je suis trop con. Ah, tu vas mourir aussi, je te parie. Je suis de l'autre côté. Ouais. Ah, ah, ouf, tu l'as vu. Bien joué. Ah, putain. Elle était obligée de te tuer là. J'ai des petits problèmes encore avec la sensibilité et tout. Non, mais attends, attends, t'es obligé de le tuer sinon ça, ça. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà. Oh, oh mon dieu. C'était chaud là. Mais bon, on y est arrivé. Bon bah là c'est la vague boss. En gros autant dire qu'on est mort parce qu'on a pas de silverback. Bah j'ai de l'argent. T'es où toi? Je suis là. L'argent je le mets où? Tu peux le mettre où tu veux, ça sert à rien, tout va être détruit. Sérieux? Bah si c'est le boss, si c'est un boss bâtard, tu vas détruire tout sur son passage. C'est ça, mais tu peux pas le prendre parce que c'est trop cher. Ah si je peux. Vas-y bah répare-le si tu veux. Non ça c'est le one shot. C'est une arme ça. Prends l'autre comment? Hein? En fait ça c'est un truc qui one shot tout le monde. Un instrument? Non c'est un sniper. Oh non! Regarde ouais. Ce qu'il y a en face. Ça s'appelle un brumac. Mais comment? Je tire où? Dans la tête, même si normalement il faut aller derrière et tirer sur le bon bonhomme. Mais là il est en face alors. Oh là là, bah je suis mort. Il faut aller où? Derrière lui. Mais là, celui-là, ce serait bien si tu venais me sauver en fait. Et je peux te sauver comment? Bah en venant vers moi. Ah non, c'est moi, c'est mort. Essaye d'aller derrière lui, mais là t'es foutu là. Je te le dis d'avance. Moi j'ai moins 30 dollars alors je peux pas trop t'aider. Là à mon avis. Bon, Brumac normalement c'est simple, mais sur cette map là, en plus il réapparaît pile au-dessus de nous, c'est pas forcément facile. Ouais, ouais. Bon bah on va essayer de. Il me fait peur en plus. Hein. Ah mais il est terrifiant ce truc là. Ah d'accord. Même pas eu le temps de faire l'aller-retour, voilà le gars. Surtout qu'il bug, il bug bien le Brumac sur ce genre de map petite. Parce que des fois il passe à travers des trucs, tu sais pas trop comment. Mais bon. Parce que sur une map, il y a un moyen de le coincer quelque part. Ouais. Et de l'avoir, d'avoir tous les autres et de l'avoir lui après. Bon, cela dit, on a perdu. Cela, on va pas se quitter tout de suite, tout de suite. J'ai un petit truc en réserve. Donc on fait une petite pause et puis on se dit à tout de suite. Ok, donc on se retrouve. Alors ouais, vous avez vu, nous sommes allés feu à la vague 50. Hein. Ah, c'est les corpseurs en plus. Ils sont faciles. Bah, donc voilà, j'ai pris la vague 50. En fait, on a fait tout ça. Non. Non, peut-être pas. Ouais, faut faire quoi avec cette destruction? Il faut les tuer dans le dos. Ah bah c'est mignon, mais c'est tout dans le dos. Donc on est à la vague 50 en mode dément, je précise. La difficulté maximale. Autrement dit, c'est impossible. Et on va mourir en 2 temps 3 mouvements. Je pense que... On va mourir dans les quelques secondes qui vont suivre. Ça me paraît peu probable qu'on survive plus longtemps que ça. Ouais, bah moi je suis mort. Voilà. Voilà. Mon dieu, je pensais que ça durerait un petit peu plus longtemps. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de la difficulté quand on arrive. On a moins 500. Ouf. On va faire un joli soir. Bon allez, sur ce, écoutez, merci à tous pour regarder cette vidéo qui a sûrement été un peu longue. Mais bon, c'est pas grave. Et puis on se donne rendez-vous à la prochaine pour... De nouvelles vidéos. Je sais pas si on va en refaire une avec Quack. Bah, j'espère bien. Sans doute. Et puis donc ça mettra sûrement pas fin à cette playlist et donc on se donne rendez-vous à la prochaine pour
plus de vidéos. Et donc voilà, allez, sur ce, salut à tous. Salut à tous.